Mes chers amis, bon, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une première vidéo de Returnal et malheureusement, mon micro était éteint. Du coup, ça nous a fait une petite vidéo de gameplay que j'ai laissé en ligne qui montre la première heure de jeu mais sans aucun commentaire. Et je me suis dit, soit je refais le jeu du début et voilà, je vous donne mes impressions en même temps. Il y a toujours là, j'ai la manette entre les mains et en fait, il y a les gouttes de pluie qu'on sent sur la manette. Je vais mettre encore sur le micro en fait la manette pour que vous entendiez l'effet que ça fait. Les petits clics 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 clic que vous entendez, c'est pas un haut-parleur qui fait ça, hein. C'est vraiment les vibrations qu'il y a sur la manette qui donnent cette sensation qu'il y a de la pluie sur la manette. Il y a cette ambiance aussi avec la fumée volumétrique qu'ils ont utilisée un peu partout, chaque fois que je la vois, ça me fascine, hein, mais ça me fascine carrément quoi. Je trouve le jeu vraiment envoûtant. Voilà. Alors, cette vidéo du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi je connais le jeu maintenant là. Donc il ne va pas avoir de surprise sur les violations de ça. Moi je suis là pour vous expliquer comment y jouer. Déjà, est-ce que le jeu est difficile? Oui et non. Vous voyez les boules par exemple de couleur, c'est comme les shoot'em up qu'on avait à l'époque, vous voyez, les boules là, faut pas se faire toucher, point. Mais elles sont très bien, elles sont de couleur, elles sont super colorées, elles sont super visibles. Si vous savez jouer avec votre manette, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Ensuite, que vous dire? Dans le jeu, moi ce que je vous conseille, c'est l'éther. Ne l'utilisez pas si vous savez pas ce que ça fait. Parce que en fait, entre deux runs, c'est un roguelike. Donc quand vous jouez, vous allez perdre ce que vous êtes en train de prendre. Vous voyez, tout ce que je prends là actuellement, je vais le perdre en fait. Remplir un emplacement d'amélioration d'intégrité max. On va le prendre, hop. En vrai, vous voyez les dysfonctionnements? La plupart du temps, vous pouvez les réparer. Pour les réparer, il faut faire la phrase qui est écrite en dessous. Par exemple, là, il faut que j'ouvre des conteneurs et que j'ouvre des conteneurs. Quand j'aurai ouvert deux conteneurs, et bah, toutes les malédictions seront parties. Donc, les ennemis ripostent lorsqu'ils subissent un coup. Bon, c'est un peu chiant. Mais, du coup, moi, je prends le risque. Allez hop, on prend encore un emplacement. Hop là. Voilà. Ah oui, mais je peux en avoir plusieurs alors. J'ai tellement de dysfonctionnement que ça va pas se cumuler là. En vrai, si, ça peut se cumuler. Augmente le délai. Augmente? Ah ouais. Allez, je le prends. Ah ouais, c'est chaud quand même. J'ai 15% de protection supplémentaire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez mourir, il faut l'accepter que vous allez mourir dans ce jeu. Dans ce jeu, vous allez mourir. Dans ce run-là, je vais probablement mourir. Enfin, je vais voir si je vais arriver au boss, peut-être hein, que je vais y arriver. Mais là, moi, pour moi, je vais mourir. Mais mon but, c'est d'essayer d'améliorer mon perso pour le jour où je vais être prêt pour aller voir le boss. Et pour ça, j'aimerais avoir, par exemple, deux emplacements de consommables. Vous voyez, là, j'en ai qu'un.
J'aimerais bien en avoir un deuxième. Une bonne arme aussi. C'est-à-dire que les armes, vous pouvez garder les dégâts qu'il y a en dessous. Vous voyez les coups spéciaux qu'il y a sous votre arme. Ça, vous pouvez le conserver de partie en partie. C'est-à-dire, si vous trouvez une arme avec un bon. Une bonne. Un bon pouvoir spécial, vous allez le garder de partie en partie. Voilà. Et le but, c'est aussi de mieux connaître les ennemis et d'être plus fort face à eux. Là, par exemple, par rapport à la toute première run où j'ai fait 1 heure, maintenant, j'ai plus peur de ces ennemis-là. Je les connais bien. Bonjour, qui êtes-vous? Ok. Je m'attendais pas à ça. Ben, j'ai encore des surprises. D'habitude, ils font des bouboules bleues, pas des bouboules rouges. Ah. Enfin, ça là, je l'ai déjà vu plein de fois en fait. Ah oui, c'est vrai, il faut une clé. Suis-je bête? Et en plus, à force de faire des runs, en fait, c'est pas sans procédural, mais il y a des zones que vous allez reconnaître en fait. Comme cette zone en bas, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait. À force de faire le jeu, vous allez reconnaître des zones. Il y a aussi ces téléporteurs là. Activez-les. Passez devant, passez dessus et activez-les. Ça vous permettra de vous déplacer plus vite dans le niveau. Apprenez aussi à lire la carte. Vous voyez, ça c'est la carte. Et en fait, les portes bleues, comme ça là, les portes bleues et triangulaires, en fait, c'est des portes facultatives. C'est des routes optionnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas une route qui va vous amener vers le boss. La route qui va vous amener vers le boss, c'est celle qui passe par les grandes arches carrées. Vous avez vu? Là, en passant par les grandes arches carrées, vous allez finir par vous retrouver au boss qui est là-bas. Donc ça, c'est déjà pour que vous appreniez à vous repérer. Ensuite, sachez que, bah, en plein en bas, ces ennemis-là, je suis pas obligé de les battre. Je peux très bien continuer d'avancer. Et voilà. Vous n'êtes pas obligé de tuer tout ce que vous voyez. C'est loin d'être une obligation. Si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas envie, ne les tuez pas. Vous pouvez aussi vous servir des portes. Ou par exemple là, je me sers des escaliers pour ne pas me faire toucher. C'est pas de la triche. Vous pouvez le faire. Ça fait partie du jeu. C'est un jeu. C'est un jeu qui est un jeu. Regardez, ça envoie des boules rouges parce que c'est un jeu. C'est pas là pour être réaliste ou je sais pas quoi. C'est juste un jeu. Voilà. Quand vous faites des combos aussi, c'est-à-dire quand vous tuez plusieurs ennemis, n'hésitez pas à fuir. Oh oh. Ah merde. C'est une salle de merde ça. Ne restez jamais immobile. Bougez tout le temps. Bougez, 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 bougez. Également bon à savoir, c'est bon d'avoir un petit pack de soins. Ça, c'est un autre truc. C'est toujours bon à l'avoir, ça, le pack de soins. Je vais essayer de récupérer le. Vous avez vu comme son costume est rouge et quand elle marche, regardez comme elle titube. On voit bien qu'elle est mal. J'aime bien ce genre de petite animation. Et là, j'ai la pluie que je ressens. Ah merde. Je m'attendais pas à ça par contre. On va aller là. Alors c'est une route optionnelle. Je vais quand même aller. Voilà. Par exemple ça. Quand j'aurai 6 éthers, je les ai pas, c'est un élément qui va vous permettre de reprendre votre run dans la même dans le même cycle. C'est-à-dire si vous mourrez, vous allez réapparaître là plutôt qu'à votre vaisseau dans un nouvel univers. Parce qu'à chaque fois que vous mourrez, l'univers il se reconstruit complètement et du coup vous avez un nouveau niveau. Alors que là vous allez mourir et vous allez juste apparaître là. Vous pouvez aussi gagner des vies. Avec des petits cosmonautes, ça va vous donner une vie supplémentaire.
Puis voilà, là par exemple, moi je suis en train de réfléchir à comment je vais gérer ça. Ok, en gros, faut que j'aille en face et que je grimpe. On va essayer d'aller en face. Ouais, et là c'est en face. Voilà. Alors, je vais pas vous mentir, j'aurais bien aimé trouver du soin, genre du heal. Ah. Ça a fait peur. J'ai des missiles guidés. Écoutez, on va le prendre. C'est pas ouf, mais bon. Quand je tire, du coup, j'ai. Ah oui, d'accord. Ça tire un missile guidé en même temps. Écoutez, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hein. Même si je vais pas mentir, j'aurais aimé de la vie. Parce que là, j'ai plus de vie, quoi. Alors, regardez bien, parce que des fois. Les portes, elles se mettent en rouge et vous êtes confiné. Là, c'est difficile. Et regardez dans la carte. Enfin, la petite carte en bas, vous voyez les points rouges, c'est les ennemis. Donc, vous pouvez les voir en fait. Et encore une fois, vous pouvez utiliser les portes. Comme ça. Ça fait partie du jeu, encore une fois. Putain. Bougez, bougez, bougez. Là, je vois dans la carte, il en reste deux. Le problème, c'est que je vais pas vous mentir, cette run-là va être dure. Hein. Bon. Et là, par exemple. Moi, je parle juste sur le principe du pas de chance parce que, en fait, je manque de heal et je trouve pas de pack de soins. Ça, c'est pas ma faute, hein. J'ai pas de pack de soins. Enfin, j'en vois plein. Enfin, on les voit en bas, là, en bas à droite. Je vois qu'il y en a plein, vous voyez, mais ils sont en l'air. Ils sont en l'air. Donc, va falloir que je les tue. Pour pouvoir y accéder. Lui, il est mort. Il en reste un en bas à gauche. Est-ce que je vais réussir à... Oui, il y en a un autre là. Apprenez aussi à faire le reload. Le reload rapide. C'est-à-dire quand vous tirez. J'essaie de les attirer. Est-ce qu'il va venir? Là, quand vous avez le reload, c'est là. Vous avez une animation, vous voyez? Si vous appuyez au moment de l'énergie, que vous retirez au moment de l'énergie, ça fait un reload rapide. Alors moi, j'aimerais bien... Ah, c'est ça. Voilà, ça c'est l'énergie. Merde. Je suis où? Là, j'ai fait le con. Ouh là là. Vous avez vu, je me mets en sûreté. Je suis tombé vraiment comme un idiot. En fait, au lieu d'appuyer sur Y, j'ai appuyé sur une autre touche. Là, je vais réessayer. Hop là. Hop. Voilà. Là, je me sens mieux. Vous voyez, j'ai de l'énergie. Là, je vais pouvoir... un peu plus. Essayez de tirer en latéral. What? Comme je vous disais, acceptez la mort. Je sais pas comment ça s'est passé. Mais là, la run a été juste mal barrée et quand ça arrive comme ça, accepter de mourir plutôt que je serais tenté de dire d'insister, mais accepter juste que ben, la run a été pas hyper bonne quoi. Cette run là me paraît déjà mieux par exemple. En plus je m'étais pris plein de Maus, ça c'est ma faute, hein, j'aurais pas dû. Les Maus c'est pas forcément l'idée du siècle en vrai.
Des fois, ça peut être bien, mais là, j'ai fait le con là. Alors, je sais pas vraiment ce que c'est. Si à chaque fois que je suis là, en fait, je peux pas utiliser. Parce qu'il me manque un élément pour sauter là-haut. J'en trouve beaucoup en ce moment de ça. J'ai jamais les sous pour. Je vais vous dire, l'arme, enfin, le pouvoir spécial de votre arme, il se déverrouille, mais au bout d'un certain nombre de temps qui est assez élevé en fait. Sachez aussi que vous allez avoir des runs qui vont être plus faciles que d'autres. Donc pas d'inquiétude, c'est normal. Toutes les runs ne sont pas du tout identiques, au contraire même, elles vont toutes être très différentes. Pas très différentes. Pas non plus à l'extrême, hein, c'est pas un autre jeu à chaque fois, mais voilà. Vos runs seront différentes d'une à l'autre. Par exemple, cette run là, vous sentez bien qu'elle est différente de celle que j'ai fait tout à l'heure. Il y en a qui vont vous correspondre plus, il y en a qui vont correspondre moins. Bon. Celle-là, moi, tu vois, je la sens plus, tu vois. J'ai une clé. Qui sert à quoi cette clé? Il y a vraiment des bruits bizarres là. Je croyais qu'elles étaient toutes mortes. Augmente. Ça a été 25%. Allez, viens avec moi. Par contre, ça veut dire que quand j'aurai tué 25 personnes, je vais me prendre des dégâts. Là, par exemple, j'ai trouvé une énergie verte, mais je vais pas la prendre. Ça aussi, c'est un autre détail. Si vous voyez de l'énergie, vous n'en avez pas besoin, ne la prenez pas. Parce qu'en fait, quand vous en aurez besoin, elle sera plus là. Oula, c'est quoi ça? Là par exemple, je vais directement aller à la sortie. Parce que je suis pas convaincu d'avoir besoin du. Ok, ça c'est dangereux. Ok, la salle rouge là, c'est la salle du boss. C'est là où je dois aller. Je vais essayer d'aller faire le boss. Alors ça c'est quoi? Module de protection. On va le fabriquer. Module statique. Ok, j'ai plus 10% en protection, 25% en armes, ça me paraît pas trop mal. Les balles, elles sont parfaites. Je pense que là, je vais aller voir le boss. Je sais pas ce que c'est que ces trucs rouges, à chaque fois j'en vois. Je sais pas si ils sont méchants, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que c'est des bonus en fait. J'ai...
Alors, j'aimerais juste. Apparemment, il y a un coffre quelque part. Ah, il est là. Ah, faut l'ouvrir. Faut l'ouvrir. Vous savez quoi? Je vais juste aller au boss. Il y a un mec en bas là. Ça tremble bizarre, tu vois. Ok, alors où est le... Je crois que c'est là. Ouais. Attends, lui, on va le tuer. Putain, ils sont chiens, il y en a plusieurs. Bon, ce que je vais faire, c'est que... Toi, hop, ferme les yeux. Toi, je vais essayer de passer. Toi, ferme les yeux aussi. Oh, c'est une honte. Putain, j'ai vraiment honte pour moi. J'aurais vraiment pas dû mourir avec ça comme ça. Mes doigts ont glissé. Je vais pas prendre. Parce que là, par exemple, je vois qu'il y a de la nocivité. Donc, en fait, si je le prends, je vais me... Je risque, en fait, de me... d'être mal en fait. Je prends ce risque là. Un ricochet. J'ai déjà non ricochet. Barrel horizontal et saint tracker. Non, ça ira. Je vais garder mon arme. Et là, c'est le premier boss du jeu. Et en fait, le tout, c'est dur, hein. Je vais pas vous mentir. C'est dur. Mais le truc, c'est de réussir à apprendre son pattern. Moi, je l'ai déjà eu plusieurs fois maintenant. Tu vois, je sais que le truc dans le jeu, c'est de réussir à vous déplacer comme ça latéralement. Si vous arrivez à ne jamais rester statique et à bouger tout le temps, vous devriez, sans trop de problèmes, façon de parler, vous devriez pouvoir le gérer. Mais il faut tout le temps bouger. Faut jamais rester sans bouger, quoi. Putain, elle est merdique, mon arme. Vous occupez pas trop des bouboules mots, par exemple. En vrai, elle te touche jamais. Hein. Ça, faites attention, essayez de l'esquiver si vous pouvez. Essayez d'avoir une arme meilleure que celle que j'ai prise. Parce qu'elle est bien pourrie. J'aurais dû continuer la reine. Faites juste attention. À un moment, il va essayer de venir vers vous. C'est là. Là, il va essayer de vous toucher et sauter là-dessus. Vous voyez, mais ça, vous allez l'apprendre à force de jouer. Vous éloignez pas trop de lui non plus. Merde, ça par contre, je le fais toujours avoir. Essayez de bien réussir les chargements. Ouh putain, j'avais oublié celui-là. Et vous voyez là par contre je regrette de pas avoir
Putain, j'aime pas quand il passe dans mon dos. Alors. Voilà, je suis mort. Mais j'ai mal géré mon truc. Mais je pense que vous voyez que c'est gérable en fait. Mais ça demande de la patience et de la stratégie. Là, ma run, elle était pas vraiment bonne puisque je suis rentré dans la salle du boss et bah, bon, j'ai pas eu de nouvelle arme. J'avais pas de vie. J'avais pas de vie supplémentaire. J'avais pas trouvé de kit de soins pour me réparer, pour me soigner en fait, tout simplement. Et parce que j'essaie de vous montrer un peu comment on joue. Mais si vous êtes calme, que ça vous dérange pas de refaire des niveaux, que vous jouez vraiment au jeu pour jouer au jeu et que vous n'êtes pas en train de chercher à faire un speedrun ou à le finir le plus rapidement possible. Ça va. C'est gérable. Après, moi, je suis vraiment le genre de joueur, je peux passer, j'allais dire des années, je peux passer des heures sur ce niveau, ça va pas me trigger plus que ça, parce que j'aime bien l'ambiance du jeu et j'aime bien les shooters de manière générale. Et comme à chaque run, le niveau il change de toutes les façons, ça me donne presque l'impression de jouer à un nouveau jeu à chaque fois. Et je kiffe pas trop les boss, je vais pas vous mentir, hein. Je suis pas un gros fan des boss. Par contre, ces phases-là, là, les phases que je suis en train de faire, j'y trouve hyper kiffantes, quoi. Oups. Et je suis très curieux, donc j'aime bien rentrer dans les endroits pour découvrir à nouveau. Pour voir, ah, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là. Vous avez vu, j'ai toujours ma... Je vais le garder, en fait, hein, ce pistolet. Jusqu'à acquérir cette grosse boum. Mais en fait, le tir secondaire, en vrai, je trouve qu'il est pas ouf. Je vais le faire, hein. Je me rappelle plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Augmente les armes de 5%. C'était pas ouf. Par contre, ça m'a bien pompé mon énergie. Hein. Waouh! J'ai genre plus beaucoup de life quoi. Cette salle-là, j'ai déjà vu par exemple, ça racontait une histoire. Ça racontait l'histoire du peuple qui vivait sur cette planète avant. Et j'ai pas le lacet, donc je peux pas aller là. Par contre, ça, je peux le prendre. Alors, je vais prendre la malédiction, c'est pas grave. J'aime pas cette arme. Je vais la prendre quand même par principe, mais j'aime vraiment pas cette arme. Faut que je tue 15 ennemis pour plus avoir la malédiction. J'adore, je vous dis de ne pas rester statique. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je reste statique, tu sais. Je reste statique, je suis où? Et en fait, à chaque fois, vous avez des commencements qui sont différents. Ça aussi, c'est marrant.
Car là, j'ai commencé dans le vaisseau, avant j'ai commencé au sol, etc., etc. Bon, écoutez, moi je vais me concentrer un peu, je vais aller jouer parce que je vais pas vous mentir, parler, réfléchir et jouer en même temps, c'est un peu chaud. Je vous dis à tous les otaku, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt sur Otaku Game Préféré, ciao, bye bye. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce Returnal. Ciao, ciao!